Bonjour, je suis Aurore, coach en orthographe. Bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. J'ai l'impression que vous ne m'attendiez pas si tôt, Aurore. C'est surtout que je ne vous attendais pas du tout. Pourtant j'ai été clair, hein, je vous ai envoyé un message. Oui. Je serai là à 8h. Voilà, je serai à Yes. Oui. Évidemment, c'est du conditionnel, c'est si c'était possible, je serais là, tu serais là, il serait là. Les terminaisons de l'imparfait, le début du futur. Alors évidemment, moi je vous attendais pas. Moi j'ai fait une faute alors. Oui. La prochaine fois, si vous voulez confirmer votre rendez-vous, vous utilisez le futur. Je serai, tu seras, il sera, A-I-A-S-A, comme le verbe avoir au présent. C'est simple pourtant, mince. C'est vraiment efficace votre truc là. Oui. J'ai l'impression que c'est marketing surtout. Mais à chaque fois que je fais un masque, moi j'ai la peau toute purifiée. D'ailleurs, il y en a qui feraient bien d'en faire de masque. Vous avez des comédons. Pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Est-ce que c'est qu'un comédon? Non, mais j'en ai pas. Et ben c'est un point noir. Et puis là, vous en avez un énorme. Non, arrêtez, ça suffit. J'ai dit non, j'ai pas de point noir. Ça tire, hein. C'est normal. Faut souffrir un peu pour être belle. Bon, et bien, ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve bientôt. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir, Aurore. Quand on se dit, ça craquait. Non, mais là, ça tire vraiment, hein. Mais vous êtes chuchote, hein. Non, mais ça fait mal. Mais vous aurez plus de comédon. Je n'ai pas de comédon.